Yaya, tu n'as qu'une seule vie, tu n'as qu'un seul rêve. C'est ton gars sûr, BR, noir motivation. Tu n'as qu'une seule vie, tu n'as qu'un seul rêve. Souvent, tu n'as qu'une seule chance de le réaliser. Tu n'as qu'un seul train à ne pas rater. Tu n'as qu'une chance, Yaya. C'est comme une seule flèche à ton arc. Vas-tu l'utiliser? Le meilleur moyen de rater sa cible, c'est de ne pas tirer. Et le drame de ta vie, c'est que tu laisses tes peurs se montrer plus fortes que ton envie d'y arriver, ton envie de percer, ton envie de leur prouver à tous que tu vaux plus que ce que tu es maintenant. Tu as deux chemins qui se proposent à toi maintenant. Vivre tes espoirs ou continuer de vivre tes peurs. Vivre tes rêves ou continuer de faire vivre ceux d'un autre. Jouer ta propre musique ou continuer d'être l'instrument de celle d'un autre. Et personne ne m'enlèvera la vie tant que je n'aurai pas réalisé mon rêve. Personne ne m'enlèvera mon rêve tant que je serai en vie. Voilà l'état d'esprit, voilà le feu que tu dois entretenir en toi. Écrase la peur du quand dira-t-on. Retiens bien que la vie des autres va trop souvent à l'encontre de tes objectifs. Utilise les critiques, utilise la vie négative des autres comme un carburant, comme un escalier sur lequel tu marches jour après jour pour te hisser au sommet. Tu n'as qu'une seule vie, tu n'as qu'un seul rêve. Tu peux avoir plusieurs montres, mais il n'y a qu'un seul temps. Et si ta vie est au point mort, sache que lui, il avance. Si tu te permets de vivre lentement, sache que le temps presse, sans reculer, sans se retourner, sans te rendre ce que tu n'as pas su saisir, ce que tu as laissé passer. Toutes ces fois où tu as remis à demain le charbon d'aujourd'hui, toutes ces fois où tu t'es reposé au lieu de charbonner. Il y a une réalité que tu dois entendre. Chaque jour qui passe te rapproche de ton dernier. C'est inévitable, maintenant que tu le sais, maintenant que je te l'ai rappelé. Est-ce que tu vas continuer de mener une vie sans impact? Tu vaux tellement plus, tu peux donner plus, tu mérites plus. Mais tu t'économises, tu lèves le pied, tu sous-estimes ton vrai pouvoir. Tu deviens la cause de ton propre échec, l'assassin de ton propre destin. C'est comme tuer son propre enfant, Yaya. Ressaisis-toi, reprends le contrôle, reprends le volant. Tu es la seule personne qui ait reçu autorité sur ton avenir. Tu peux lui donner l'ordre de s'aligner avec ton rêve. Car tout ce que tu peux concevoir, tu peux le réaliser. C'est pas juste un discours, Yaya, c'est du feu. Tu dois activer ton mode bête féroce. Va et croque à pleines dents dans tes rêves. Et tu sais quoi? Ne lâche qu'après avoir arraché ton morceau. Yaya.